C'était le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de tailler la vigne, mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié depuis la cuisine, à table, les garçons. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Alors mon père dit à ma mère en se passant de l'eau sur les mains. La Marie-Jeanne, elle n'était pas très maligne, je commence à avoir faim. Y a bien encore 2 hectares à labourer dans le champ de la canne. Maman dit, tu vois, quand j'y pense, c'est quand même bête pour cette pauvre Marie-Jeanne. On dirait qu'il n'arrive jamais rien de bon pour les essors. Et voilà que Marie-Jeanne Guillaume va se jeter du pont de la Garonne. Alors mon frère s'est souvenu quand lui et moi et le grand Nicolas, on mettait des grenouilles dans l'eau de Marie-Jeanne un soir au cinéma. Puis il me dit, tu te souviens, tu lui parlais ce dimanche près de l'église. Donne-moi encore un peu de vin, c'est bien injuste la vie. Dire que je l'ai vu à la Syrie hier, à Bourg-les-Essonnes. Qu'aujourd'hui, Marie-Jeanne s'est jetée du pont de la Garonne. Maman me dit, enfin, mon grand, tu n'as pas beaucoup d'appétit. J'ai cuisiné tout ce matin et tu n'as rien touché, tu n'as rien pris. Dis-moi, la sœur de ce jeune curé est passée en auto. Elle m'a dit qu'elle viendrait dimanche à dîner. Oh, et à propos, elle dit qu'elle a vu un garçon qui te ressemblait pour les essors. Et Marie-Jeanne jetait quelque chose du pont de la Garonne. On ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis, maman n'a plus envie de faire grand-chose, elle est toujours fatiguée. De temps en temps, je ramasse quelques fleurs du côté des essors. Je les jette dans les eaux boueuses du haut du pont de la gare.